tous, c'est Arco08. Aujourd'hui j'ai fait une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve sur GTA 5 pour le let's play numéro 12, si je me trompe pas, sur ce magnifique coucher de soleil. Enfin, je crois que c'est le coucher ou peut-être le lever. Non, c'est le coucher, bon c'est magnifique. Allez, c'est parti, on va aller chercher notre voiture qui je ne sais pas où elle est. Est-ce que j'ai un vélo au pire? Tiens, on va monter là. J'ai peut-être un vélo. Non, j'ai rien. Bon, on va traverser à pied jusqu'à ce que je sois au parking pour emprunter à courte durée une petite voiture. J'ai bien dit à courte durée, hein. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle despawn. Vu que nous sommes dans GTA. Je t'ai pas poussé, désolé. Désolé, c'est pas contre vous les enfants. Bon, c'est un petit peu loin, hein. Petit sprint. Hop. Bon, cours gros. En plus il est en tong. Hey, c'est pas cool ça. Oh, je suis magnifique les lumières là avec le mode graphique. Eh, c'est magnifique, attends. Hop, Mia. Voilà, comment faire ces Mia rapidement. Vous voyez pas quand j'appuie sur la touche capture, c'est normal, c'est parce que c'est un truc de bureautique et je filme que le jeu. Pour qu'il n'y ait rien qui s'affiche d'autre, pour les notifs, etc. Pour qu'il n'y ait que le son du jeu et de ma voix qui soit pris. Enfin... c'est mieux en fait. Tiens, les voitures sont en bas à gauche. Il y a une voiture blanche que j'ai repérée qui est plutôt pas mal. Alors j'allais sauter, mais nickel. Ouh, il y a une. Non, c'est pas coquette. Si, c'est coquette. Attends, je sais plus. Comète, pardon. Non. Oh là, j'avais oublié ce que c'était de conduire. Voilà. Enfin, conduire une vraie voiture, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est une voiture qui est plutôt sportive. Tiens, on va aller là-haut. On va éviter de prendre un sens interdit. Oula, oula, il y a des PNJ. Il y a des PNJ. Alors, on va aller voir le psy, qui est juste là. Décalé, hop. Bougez, bande de... Hop. On va se garer là. Enfin, je crois que c'est le psy ici. Enfin, je pense que c'est le logo du psy. Hop. Ouais, bon, j'étais pas garé au bon endroit vraiment, mais c'est pas grave. Come in, Michael. Yeah, thanks, Doc. How have you been? Oh, good. Things been good. No, actually, things ain't been good. Things been a far fucking way from good. I've been acting out. That's what you would call it, I think, right? Acting out. So what exactly has been the problem? I'm not good, Doc. Not good at all. I'm sorry to hear that. Tell me. I've been caught up in the bullshit, Doc. You know, ever since I pulled this Mexican's house off a hill, it's been nothing but killing and robbing. And I hooked up with this old associate. I even got a new one, too. This kid. With, I don't know, he has similar proclivities. Oh, God. Now everything's out of control. And it's not by choice. My life just got away from me. That sounds a lot like denial, Michael. This is really worrying. So... any other violent urges, friend? I've been out of control, Doc. I think I got, you know, an imbalance or something. You know, I mean, one minute I'm one person and the next minute I'm another person. And you sometimes feel you're not responsible for your actions. It's all denial. I really just want to be happy, Doc. That's so bad? Okay. And what about your sexual behaviors? I've been a really good boy, Doc. Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. I just ain't myself right now, Doc. Not since my life went crazy. You're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm not exactly enjoying myself here. Now, what I'm addicted to is not getting killed.
But for some reason, I keep getting my ass into situations where getting killed is a little hard to avoid. What about the people you kill? Well, yeah, but that's not for fun. Are you sure? What exactly are you asking, Doc? Am I a psychopath who enjoys suffering? Or a sociopath who doesn't give a flying fuck about the rules? Come on, we've already had this conversation, right? I'm neither. I'm just a fat, washed-up jock who can't get his head around the fact that his high school football career didn't play out the way that he planned. The only way I'm content and competent is with a gun in my hand or a price on my head. You're very defensive, Michael. Do you consider yourself a failure? I pay you to listen to my problems. I'm rich. I'm miserable. Half the time, my kids can't stand me. The other half, my wife is cheating on me. I kill people without remorse, Doc. I'm pretty average for this town, really. That's the shot. I think I'm having a breakthrough here, Doc. I know that I'm just terrified that I'm sure gonna... you are, but that's really all we have time for. See you next time. Okay. Ok, c'était juste une cinématique, hop. Bon, le docteur en a clairement rien à foutre. Merci d'avoir fait respawn ma voiture là. On a clairement rien à foutre de mon état de santé. Hein. Clairement, il pense juste à l'argent. On va aller voir HS là. L'ancienne associée, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Trevor. Michael. Trevor, on l'a pas encore débloqué. Lester. Lester qu'on est allé voir récemment pour je sais plus quoi. Ah oui, c'était pour je les ai vus. Tiens, il y a le HS là, je sais pas si c'est pour Malcolm. Bah, Michael il est en bleu et Franklin en vert, donc Michael c'est bleu. D'ailleurs je sais même pas quelle couleur il est. Attends, j'arrive où le HS il avance là. Et oui, le HS avance. Très vite! Allez, faut que je fonce. Oh là, attention, monsieur. Oh, il se passe quoi ici? Waouh! Ici, il y avait un truc qu'il a pas aimé, mon PC. Ah, d'accord. Je pensais qu'il allait s'arrêter, mais rien à foutre. De toute façon, j'ai plus d'accélération que lui. Est-ce que je tue ou est-ce que je tue pas? On va tuer, allez. Hop, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Salut toi! Je me taille, c'est bon, je me taille. Semez les polices. Ou les flecs, comme disent les malflas d'un GTA. Non, ok, c'est bon, je me taille. Je tente pas cette blague. Oh purée, ce qu'on dit mal ce véhicule. Attends, je vais stopper ça. Ça fait moins de bruit. Mince, cramé. Ouais, mais il y a trop de trucs sur cette map à cause de tous les modes que j'ai rajoutés. Ah, je me rends, c'est vraiment beau la nuit avec ce jeu. Vache, il y en a partout et... No, tu vas te calmer, No, je t'en fous un No. Ok, là je devrais les semer. Pas du tout, en fait ça spawn à l'infini. On va aller à droite là. Dans le terrain de golf. Moi je devrais les semer ici, je pense. Ce serait pas logique si je les sème pas, hein, je vous le dis. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ici, eux?
Mais gros, qu'est-ce qu'ils foutent dans le terrain de golf? Sérieux? C'est quoi ce jeu? Ah, par contre, il y a des reflets de malade. Je vous avoue que j'ai un peu envie de tricher, c'est-à-dire de... Non, allez, c'est pas parce qu'on a un mode sur soi qui s'appelle Menio qu'il faut tricher. Mince, j'allais faire deux folles. Vous me saoulez, vous savez, la police. J'avais oublié que 3 étoiles, c'était dur à semer. Ok, je suis passé par un endroit, je savais même pas que c'était possible. Pas moi. Bon, c'est bon là, je les ai semés. Ah bah on a la sirène, tais-toi là. Mais gros, hélico de mort. Bah, en fait c'est tout de mort. Bon, vous savez ce qu'on va faire? D'accord, ça va. Où c'est? Tiens. Ah, voilà. Voilà. C'est pas que je veux pas, mais c'est pas que je veux pas faire la mission, c'est juste que j'ai pas envie de perdre 3000 ans à enlever la police, parce qu'en fait c'est pas le but du mode histoire. C'est pas que je triche ou tout ça, bon si un peu, mais en fait c'est juste pour que vous ayez un meilleur gameplay, hein, je vous le dis clairement. Ça sert à rien que je sème pendant 15000 ans la police si c'est pour que ça soit que ça le let's play. Ça se voit que je joue pas à GTA récemment, j'ai perdu l'habitude de semer la police. Par contre c'est magnifique là, avec les modes graphiques c'est d'une beauté. Je sais pas pourquoi, dès que je dérape, ça, la map, elle se floute. Il doit y avoir un bug de script, ça serait bien qu'il la refasse, le mec. Ou ça serait à moi de l'enlever, je pense. Faudrait que j'enlève aussi. Voilà, regardez, je fais aucun accident, ça bug pas. Ou je tourne pas, je freine pas, je fais qu'accélérer. Voilà, regardez, j'ai fait un accident, elle a disparu. Encore loin. Ah oui, bah c'est l'usine de Lester. Ok, ça va. Ah, je regardais pas la route. Je sais pas s'ils en veulent à moi la police, mais je pense pas. Ok. All right, Lester, I got us the tac team rifles. All right, then this score is ready to go. Come inside of me. Il se passe quoi? Ah d'accord. Oh, il fait jour. Oh. All right. I want to say thanks for being a part of our little operation. We're all professionals. We all know the score. We're going to execute the plan. We're gonna move quick, and we're gonna keep cool. Anybody gets pinched, this meeting never took place. We don't know each other. Is that clear? Now we've looked very, very carefully at the plans. We considered something more complicated, but given the location, the weakness of staffing, and the exit points, we believe that a more simple plan will work best. We're gonna hack in, disable security, and waltz right in through the front door. Security guard should be to our left. We neutralize him. 15 seconds later, you come in. I want extreme pressure applied to the staff. The customers are to be calmly subdued. I want one guy on crowd control while you and I empty out the merchandise from the cabinets. We're in and out in 90 seconds, guys. Franklin will handle your getaway. I'm leaving on foot. Any questions? Good luck, everyone. Let's go.
Waiting on you, kid. Ok, on fait un petit blackage, cool. Ah, oh, j'ai Franklin, ok. Hey, you're in the truck with the bikes, everyone else with me. Gus, Eddie, I need you in the back of the van. Franklin's driving, I'm in the passengers. Yes, je conduis, parfait. Allez, go! Allez, monte. Par contre, d'être imbécile, là, il me fait peur. Enfin, les deux autres imbéciles. Allez, go! Faut que je fasse quoi, du coup? Ok, que j'aille à la bijouterie. Ah bah oui, c'est la bijouterie, on avait préparé le braquage, je me souviens. Oh la vache, la puissance du véhicule est incroyable. Oh là là. Jamais vu un véhicule aussi rapide. Ouais bon allez, on va parler, on s'en fout s'ils parlent parce que si on ne parle pas, on va jamais parler avec eux parce qu'ils font que causer. Vous pouvez lire de toute façon, c'est en bas. Moi je ne peux pas lire parce que je conduis, conduire et lire, il n'y a rien de pire, c'est ça qui est le démol dans le GTA. C'est les sous-titres. Quand on conduit, attention, hein. Oh, non mais... I've done this type of thing before, more than a few times, and I've made good money doing it. Ouais bon, j'essaie de lire mais c'est chaud. En fait, je joue plus d'informations sur deux parce que je dois regarder la route de temps en temps. Hop, si on peut éviter les accidents. Yeah, man, I'm Franklin, dog. And I'm new to these kind of planned out detail robberies. I done my shit small jobs, you know, liquor stores, warehouses, booster cars. Then I met this dude right here, Michael, man. And he turned me on to this thing. So, who's next? Voilà, bouge-toi. Ah, mais arrête, il y a des chutes de FPS, des fois il est en mode, allez, salut. Guess I found out pretty young to pull a trigger. But it was a couple of years before I started doing it for bread. Ah, d'accord, je l'ai coupé. Go get the bikes. Go. Oh, c'est bien fait ça. Enfin, ouais, bon. Par contre, la cassure c'est mal fait, il y a tout qui devrait se casser. Oh, par contre, les cinématiques à chaque fois là. Allez, plus qu'une! Au revoir, messieurs. So for the last time, move it. Now get the fuck out my face. Oh. You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. I'll see you at the river. Go. Let's go. Come on. Stay close, stay safe. Allez, go. Suivez l'équipe. Ah ouais, par contre, les gars, vous auriez pu mettre des bâtis, pas des Sanchez. Oh, ils savent pas conduire. Ah, il est arrivé en drift, lui, on a rien à foutre. Oula, il y a des arbres en plein milieu de la route. Ça, c'est les modes que je rajoute. Ah, mais ils conduisent vite, les policiers. Oh, purée, l'autoroute, c'est magnifique. Put your headlights on, it's dark in here. Ok, j'ai perdu un peu de vie, c'est pas grave. Oh purée, par contre, c'est super bien fait les tunnels. J'avais jamais vu avec le mode graphique. Hop, oh la conduite parfaite. Bon, en même temps, heureusement, parce que depuis le temps que je jouais à GTA, heureusement que la conduite est bien. En fait, j'ai remarqué, je joue à GTA uniquement pour faire les let's play, sinon je joue quasi plus au jeu.
Pour le online, ça fait bien longtemps que j'y suis pas allé. J'y suis allé pour le DLC Halloween découverte, mais c'est tout. Ah non, et on y a rejoué un petit peu et ça m'a. Enfin, en fait, le GTA, je vous avoue, je prends plus le même plaisir qu'avant. C'est dommage parce que. J'ai envie d'y rejouer comme avant, mais je n'y arrive pas non plus en fait. Voilà, je préfère pas me prendre le machin en haut là, je suis sûr qu'il y a moyen. Par contre, on est en train de. Oh, on arrive au casino. Je savais même pas que ça menait au casino ici. C'est bien, le mode histoire permet de découvrir la map. Hang in there, boys. I got this covered. Saleté de policier, purée. Alors. Ok, je pense que c'est bon. Bon, toi, ta moto, elle a pris cher. Je sais pas c'est qui là qui fume. Hop là! Lester's waiting for us at the lockup. Allez au box. Non, 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 la musique, tu te calmes. Je lisais le truc en bas, c'est pour ça que je parlais pas, vous inquiétez pas. Par contre, j'ai l'impression que ça lag là, je sais pas si c'est une impression ou pas. Ah, je sais, c'est magnifique, eh. Par contre, les FPS aiment pas trop ici. J'ai l'impression de jouer sur PS4. I might just be able to send my kids to college. I won't say it went off without a hitch, but it went off. Allez, bougez. Call your gym guy Lesty baby, cause we got merchandise. Oh là là, la conduite de pro toi. Alright people, we need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. Alright, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, alright? Alright. Okay. Huh? Voilà, mission terminée, je pense. Ouais, braquage réussi, casse de la bijouterie. Continuez. Ah, d'accord. I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, all right? I'ma change, I promise. You won't even recognize me. Ok, du coup, on va se laisser là-dessus. C'est où la sortie, par contre? Je sais même pas où ça. Je crois que c'est là-haut. Pas au-dessus. Oui, il y a le truc blanc. Hop là, bon voilà, du coup, on va se laisser là-dessus. Donc, c'est pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, c'est tout. Allez, salut!